Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire du Clash Royale. Alors si vous avez pas vu ma vidéo hier, bah hier, c'était pas du tout hier, je suis désolé de vous dire de la merde, mais il y a quelques jours là, j'ai fait une vidéo donc sur mon premier deck, et c'est un deck de malade. Donc si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, franchement c'est un deck de malade mental. Bien sûr vous vous doutez bien que je fais la vidéo au même moment, enfin... Si vous avez vu la vidéo sur le deck, vous savez très bien que je fais la vidéo au même moment. Hein, voilà, les mêmes chiffres, machin, tout ça. Je la fais au même moment. Mais bon, on s'en fout. On s'en bat les steaks, ok. Voilà, donc du coup, on va ouvrir des coffres, nous. Hein, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Je tiens quand même à vous montrer quand même un truc. Voilà, donc, regardez. Donc, celui-là, il compte pas parce que c'était une différente. Voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 6. On a du... 6 contre 2 les gars, 6 contre 2, on a attaqué 8 fois, on a perdu que 2 fois, c'est magnifique, c'est un truc de fou, je suis vraiment trop content de ce deck. Voilà, donc on risque d'attaquer avec d'ailleurs, ça risque... bah, ouais si on va se faire 2-3 attaques avec, et puis voilà, donc du coup, ou sinon je prends celui de base, celui que je prends d'habitude, bah je sais pas, on verra bien. Ok, donc du coup on va ouvrir ces coffres, c'est parti, hein, assez pinaillé. Alors du coup, hop, on ouvre ce coffre. Me demandez pas ce que ça veut dire pinailler, je sais strictement rien. Et oui, j'emploie des mots que je connais pas, effectivement. Un peu comme les scientifiques. Voilà. Du coup, bombardier, ça c'est plutôt pas mal. Un mousquetaire, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, ça commence bien. On est d'humeur, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux gemmes magnifiques. Donc deux Tesla pour l'instant. Je les augmente pas parce que je les utilise pas, tout simplement. Horde de gargouille, c'est pareil. Hop là, alors attention. Donc du coup, on va voir ça. 40 d'or, c'est magnifique. 4 barbares, on peut bientôt les améliorer. Putain de bordel de merde. Une Valkyrie. Je m'en bats les steaks. Bah bon, ça arrive. Mais ça commence plutôt bien, je trouve. On a quand même des troupes plutôt pas mal. Voilà, petit à petit. Oh là là, encore deux barbares. Est-ce qu'on pourra les améliorer dans cette vidéo? Bon, je les améliorerai pas, hein, mais est-ce qu'on en aura assez en tout cas? Donc, trois gargouilles, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les gargouilles comme ça. Elles sont pas très chères et elles sont plutôt efficaces. Surtout en aérien comme ça. 40 d'or. Ok. Deux squelettes. Oui, t'aurais pu m'en donner un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. 3 gobelins, c'est plutôt pas mal aussi. Ce qu'on va voir, les coffres couronnes, ok, voilà, donc du coup, on va voir pour ça, 126 d'or, c'est vraiment pas mal, 3 gobelins, c'est pas mal aussi, 4 barbares, qu'est-ce que je vous avais dit, on peut les améliorer si on veut, bon, je les améliorerai pas parce que c'est pas ma priorité pour l'instant d'améliorer ces troupes-là, donc 12 Valkyries, on a eu quelques canons, j'ai pas vraiment regardé combien on en avait eu, mais j'utilise pas vraiment, donc voilà, donc celui-là par exemple j'aimerais bien l'améliorer, c'est vrai. Je sais pas si je le fais parce que bon, je m'en servirai pas forcément, mais c'est vrai qu'il a l'air plutôt puissant, donc du coup voilà. Sinon j'aimerais bien améliorer quand même ces troupes-là, les troupes principales, voilà. Donc lui, eux là, et puis pourquoi pas aussi les petits squelettes, c'est vraiment des troupes que j'aimerais beaucoup améliorer. À la limite on va demander des petits squelettes, ça fait longtemps que j'ai pas demandé quelque chose. C'est vrai que je suis loin de les avoir améliorés, mais bon, malgré tout, voilà, je demande, on sait jamais, peut-être qu'ils vont être contents que je demande des petits squelettes, voilà. Non, parce que généralement, moi, je demande quand je suis vraiment à la fin de l'amélioration, quand il m'en manque 4-5, et après, je peux l'améliorer, bah, je demande, parce que sinon, je trouve que, bon, ça sert à rien, quoi. Enfin, ça sert, tu vois, mais qu'ils gardent leurs cartes, quoi, je vais pas non plus leur piquer leurs cartes, mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, ouvrir leur coffre, c'est parti. Donc, du coup... Là, on va ouvrir le coffre avant les combats. Ou même peut-être... Non, on va l'ouvrir après, parce que sinon, ça va faire gagner l'autre... ça va nous faire gagner les couronnes. Ouais, non, on va peut-être attaquer avant, quand même. Ouais, si, on va attaquer avant. Comme ça, en même temps, on gagnera des coffres. Et puis voilà, donc du coup, on va choisir ce deck, on va attaquer, c'est parti. Et on verra bien ce que ça donne, on prendra le meilleur, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ok, alors là on commence un peu mal, mais pas tant que ça, donc ça passe bien. Ok, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va protéger un peu, voilà, on sait jamais, au cas où on va prendre ça. Donc malheureusement on sait que la bombe de lui explose, du coup on va se faire démonter, mais c'est pas très grave, on va y arriver quand même.
voilà, malheureusement on s'est fait quand même pas mal démonter. On le savait de toute façon, on le savait, on était prévenus, on le savait, c'est pas très grave. Ok, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer de gauche, ça sera beaucoup mieux pour nous. J'ai peut-être attaqué trop tôt malheureusement. Ça arrive, voilà, il y a des fois on fait n'importe quoi. Ça arrive des fois, voilà, voilà. Donc du coup c'est pas très grave. On va attendre, on va attendre parce que là on peut pas se permettre d'attaquer. Surtout pas. On va essayer de faire un petit combo. Malheureusement on va pas pouvoir je pense. On va essayer. Oh non j'aime pas ça. J'aime pas. Voilà. Il a beau être nerfé. Il est toujours disponible de putain de faire ça. Ça m'énerve. Ça franchement les gens qui font ça, ça m'énerve, mais à un point. Mais regarde la puissance de ce putain d'Arkix. C'est pas possible. Comment c'est possible de faire un truc comme ça? Supercell, ils sont cons. C'est Non mais bon. Et encore, c'est rien de le dire, hein. C'est vrai, ils sont vraiment cons. Comment ils peuvent faire des bâtiments qui détruisent les bâtiments comme ça? Ça, je trouve ça dégueulasse. C'est... Comment... Enfin, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Franchement, il faut être con pour faire un truc comme ça. C'est énormément con ce qu'ils font. Moi, je comprends pas comment c'est possible de... Enfin bon, Supercell font ce qu'ils veulent, hein. Voilà. Ils ont envie de faire de la merde, ils font de la merde. C'est pas comme... Enfin, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Ils font leur jeu comme ils pensent qu'il faut le faire. Et puis voilà, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc là on a quand même plutôt bien changé la situation, je trouve. Est-ce qu'il y aura possibilité de gagner? Allez, allez. Ah, malheureusement non. Malheureusement non, c'est pas très grave. On va quand même continuer à défendre. Enfin à défendre, à attaquer. Et du coup à essayer de gagner. Bon, malheureusement on n'a pas ce qu'il faut, donc on va faire ça. Et on va faire ça, voilà. Donc du coup, allez vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, malheureusement. Mais le dragon qui est là pour attraper le tir, c'est magnifique. Les gars, on est sur quelque chose de plutôt magnifique. On renverse la situation. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Oui, oui. Ah, putain, lui toujours là pour faire chier. Hein. Toujours là pour faire chier. Mais c'est pas très grave. On renverse la situation, les gars. On est là. On va attaquer. Oui, on va tout péter. Non, mais peut-être que ça accélérera le jeu. Hein, si on accélère de parler. Enfin, si on parle en accéléré, peut-être que ça accélère le jeu. On sait jamais, on sait pas. Hein. Ok, bon, c'est pas très grave, il va nous gagner parce qu'on est une grosse merde. Ou parce que lui, c'est une grosse merde, à jouer comme un gros connard de merde. Qui est apparemment une technique efficace, hein, mais quand même un gros connard de merde. C'est pas très grave. Là, si je pouvais lui faire un bon fuck, mais genre bien gros comme ça, tu vois. Comme ça, devant lui, quand je fais un bon gros fuck, je pense que je le ferais. Mais c'est pas très grave, hein. Voilà, sa technique, c'est sa technique. Le mec, il a envie de jouer une technique de gros connard. De grosses tapettes, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas, je juge pas. Non, je juge pas, voilà. Juste que le mec, c'est une grosse tapette. Bon, je constate. Ben ouais, je suis pas du tout énervé, pas du tout. Je suis carrément joyeux, là. Le mec m'a défoncé avec son vieux Arkix complètement nul. Alors, le pire, c'est que le Arkix, hein, si on regarde bien, est-ce que là, regarde, portée réduite à 12. Ben, il a beau être réduit à 12, il touche quand même le bâtiment. Donc, en fait, ça a servi strictement à rien de le baisser à 12. Voilà, bon... Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont envie de faire un jeu, mais complètement de merde, il n'y a pas de souci. Pareil, le mortier, pouf, pouf, ça touche les bâtiments. Le mortier, c'est pour niquer les troupes, c'est pas pour niquer le bâtiment. J'y crois pas, quoi. Ils font de la merde, Supercell, c'est un truc de ouf. Ils ont un jeu, mais une mine d'or. Ce jeu-là, c'est une mine d'or. Il est magnifique. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la merde, des putains de bâtiments de merde qui peut carrément casser les bâtiments en face. Je trouve ça inadmissible. C'est un truc de fou. Et ils sont cons. C'est... Non mais, il y a un moment, faut voir les choses en face, ils sont cons. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on va pas non plus trop s'énerver. Bon, attends, on est là pour s'amuser, hein. Ouais, s'amuser en se faisant défoncer le cul par un Arkix. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, bon. Malheureusement, j'ai pas gagné. On se demande pourquoi j'ai pas gagné, hein, voilà. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive. Donc du coup, je suis redescendu comme une grosse merde. Attends, j'ai perdu combien de fois? Là, oui, là, il a eu égalité, parce que le mec jouait très bien, hein, il avait de très bonnes troupes, il jouait très bien, le mec. Voilà, alors là, du moment où il y a du PK, je pense que quoi que ce soit ton deck, c'est limite, tu crèves. Le mec, il a du PK et du bomber, plus du dragon en plus, hein, voilà. Je pense que t'es sûr de mourir. Bon, après, je dis ça comme ça, hein. Voilà. Mais après, c'est vrai que si le mec, il utilise son Arkix pour te péter carrément pas loyalement
le bâtiment, c'est sûr que là, THS, hein, ça c'est clair. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, là il y a égalité, parce qu'on a joué normalement, loyalement. Aucune troupe complètement cheatée, que je sais même pas pourquoi ça existe dans le jeu. Voilà, c'est vraiment des troupes nickel. Mais c'est quand même une troupe bah, regardez-moi ces stats! Mais c'est Oh là 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 là. Pff, non mais c'est des. Je sais même pas quand ça peut exister. On dirait une fausse troupe de. Que quelqu'un a foutu. Que ça. On dirait qu'elle n'existe même pas en vrai, quoi. Mais comment c'est possible d'avoir une troupe aussi puissante, bordel de merde? Bon allez, c'est parti. On ouvre le coffre à couronne. Donc 151 d'or. 3 gemmes, ok. Un gobelin, c'est plutôt pas mal. Si Tesla, ouais, bon, c'est en fait, c'est de la merde. Là, tu te fous de ma gueule. 11 hordes de gargouilles, j'utilise pas, je pense que ça se voit. 2 tours à bombe, j'utilise pas non plus. Bon, malheureusement, on a eu que de la merde. C'est pas très très grave, voilà. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi j'ai perdu contre des connards, mais en plus, mais comment c'est possible? Le mec par seconde, il fait que 66 de dégâts, l'autre, il m'a descendu ma vie. Oh là 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 là. Non mais je suis remonté contre ces troupes de merde, franchement. Supercell, faites quelque chose, bordel de merde. Faites quelque chose. Ça, c'est de la merde. Le mortier. Mais alors là, mais tu te le fous dans le cul comme c'est pas permis. Ton vieux gros PK là, qui est 10 fois plus puissant que n'importe quelle troupe, bah tu te le fous dans le cul. Lui, à la limite, il est bien, tu vois. Il a 2000 points de vue. Points de vie. Il a son petit... 100 de dégâts, 66 de dégâts, donc voilà, il est plutôt résistant. Il attaque pas vraiment, il a des petits dégâts, c'est parfait. Le mec derrière, il fait 2 gros dégâts avec son explosif sur la tour. Ok, voilà, ça, c'est bien. Mais ça, c'est un truc de fils de pute. Trop puissant, trop puissant. T'imagines 250 par seconde? C'est énorme. Non mais. Tu one-shot n'importe quelle troupe comme ça. Enfin, ou presque. Mais quand même. Tu vois, enfin... Oh, c'est un truc de fou, quoi. Bon, je vous laisse sur cette fin. Franchement, Supercell, là, il gère pas du tout. Le PK, il gère pas du tout, du tout. C'est... Enfin, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vraiment des connards. C'est limite, moi, rien que pour ça, ça me donne envie d'arrêter le jeu. C'est un truc de ouf. Putain, cette vidéo va durer 2 ans là. Mais aussi, il faut le dire. Voilà, c'est tout. Il faut le dire. Il faut voir ce qui est. Le PK, c'est trop cheaté. Baisser ces putains d'attaques au PK. Vous mettez du 150. 200 grand max. Mais pas 250. Tu mets du 150. Moi, je dirais même 150 grand max. Pourquoi aller au-dessus de 150? Je veux bien qu'il ait 2100 de points de vie. Mais 100, enfin, 250 d'attaque, c'est beaucoup trop. T'auras beau mettre des. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que t'auras beau mettre des troupes de masse. Ok. C'est petit les troupes de masse, voilà, bon ils se font niquer facilement. Mais le mec met un bombeur à seulement 3 élixirs derrière. Donc pour 10 élixirs, le mec il a un combo imbattable. Tu mets des troupes de masse, elles sont niquées par le bombeur. Tu mets une grosse troupe pour niquer le PK. Et ben il se fait niquer par le PK. Voilà, donc bon, il n'y a aucun moyen de tout niquer. Le mec, bon t'auras beau mettre un petit dragon, c'est pas ton dragon qui va faire quoi que ce soit. À la limite, t'as une horde de minions. Mais avant d'avoir une horde de minions contre le PK, tu peux... hein? Voilà quoi. Non, vraiment trop cheaté. Il y a presque aucune troupe qui peut contrer le PK. Vraiment, la troupe qui peut contrer le PK, c'est ça. Mais à part ça, il n'y a aucune troupe, franchement, je vous assure. À la limite, tu peux prendre eux là. Mais bon, eux, il n'y en a que 3, quoi. C'est pas énorme. Mais à la limite ça peut le faire. Mais bon, il suffit que le mec il ait des archers ou un truc comme ça, ou même des gobelins à lance, t'es dans la merde. Tu peux rien faire. C'est vraiment une troupe trop cheatée. En elle-même, elle est nulle. Tu mets juste le PK, ça va. Mais tu peux foutre tellement de troupes derrière parce qu'elle coûte que 7 élixirs. Tu peux foutre des troupes derrière et il est invincible. Invincible. Donc c'est vraiment trop. C'est. Il y a un moment, faut revoir ses troupes parce que là, c'est vraiment trop. C'est limite vous l'enlever du jeu parce qu'il est nul. Il est nul le Pékin. Franchement, c'est un truc de ouf. Enfin bon, c'est pas très grave. C'est comme ça. On tombe rarement dessus. Mais je pense que plus on augmente en arène, plus je pense que les gens vont l'utiliser. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. J'espère que cet épisode vous aura plu. Petit coup de gueule quand même. Enfin, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Il faut le dire, il y en a marre. Les troupes trop cheatées comme ça, il y en a marre. Et voilà, les tours qui peuvent détruire les bâtiments, il y en a marre aussi, c'est trop cheaté, trop de portée,
Il y a un moment, faut nerfer tout ça. Hein, voilà. Du coup, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.